Bonjour Monsieur Magret, donc ça fait à peu près combien de temps que vous êtes dans la vigne? Vous êtes né dans la vigne ou c'est une passion qui est venue? Non, mais je suis dans la vigne depuis 50 ans, monsieur. Depuis 50 ans? Oui. D'accord. Donc, j'ai commencé dans la vigne à l'âge de 22 ans. Voilà. D'accord. Et vous faisiez quoi alors au début Alors, j'ai arrêté l'école à 16 ans. D'accord. J'étais dans un centre d'apprentissage chez le bois. D'accord. Et après j'ai travaillé dans une maison de vin. Entre 19 et 21, 22 heures. D'accord. Et après, j'ai monté une petite entreprise dans le vin, à la fois le vin de Bordeaux et puis les vins de la région. D'accord. Et on était deux, après on a été trois, et puis après, ça a très bien fonctionné. Puis, d'accord. Voilà. Et je suis propriétaire donc de 37 vignobles en France et dans le monde. Oui, on connaît votre succès. Et en particulier des grands crus classés de Bordeaux comme Château La Tour Carnet, Château Combron, Château Pape Clément. Voilà. Et des vignobles qui sont en France, à Bordeaux, en Languedoc, en Roussillon, en Provence, j'en ai deux. En Provence aussi. Et puis en Espagne, à Priorat et Toro, au Portugal, dans le Douro. D'accord. Et en Argentine, au Chili. Vous arrêtez plus. En Uruguay, en Napa Valley, et on peut terminer au Japon. Ah bah, c'est une success story parce que vous n'avez pas votre bac en fait. Non, jamais, non. J'ai jamais eu mon brevet non plus, non. D'accord. Vous êtes on va dire un self-made man, si comme vous on voulez, dit. Oui. Comme vous voulez. Vous êtes fait tout seul, quoi. Vous êtes, voilà. D'accord. C'est une superbe histoire. Donc, qu'est-ce que vous présentez alors comme vin Je présente le Château Fombroges, qui est un vignoble que j'ai à Saint-Émilion, que j'ai acheté il y a une douzaine d'années. D'accord. Qui est assez grand. Oui. Ce qui fait 57 hectares. D'accord. Enfin, j'y suis pour rien parce que je l'ai acheté, il faisait 57 hectares. et après, j'ai replanté 2 hectares de blanc. D'accord. Exactement les mêmes cépages que Pape Clément. À savoir Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Sémillon et un peu de Muscadet. Donc alors ça donne... Enfin, si vous faites déguster, ça donne quel type de vin alors en... C'est un vin, bon, ce sont des merlots et des cavernes francs. D'accord. Sur des argilots, bien entendu, comme à Saint-Émilion majoritairement. Voilà. D'accord. Et c'est un vin qui, comme là, il va avoir 85% de merlot, c'est des vins qui connotent tout ce qu'amène le merlot, c'est-à-dire à la fois de la rondeur, à la fois de la souplesse et ce qu'aiment les amateurs de vin aujourd'hui. Quoi, voilà, D'accord. Super. Hein. Juste une dernière petite question. Sur un vin qui vous a, vous, le plus marqué, qui vous a donné beaucoup d'émotions, vous vous souvenez peut-être un vin que vous ne faites pas. Le vin qui m'a le plus étonné dans ma vie, bon, il est long, mais... Oui, j'imagine que vous avez déjà goûté. C'est un vignoble que j'ai à Priorat, à côté de Tarragone, en Espagne, qui est dans des vallées extrêmement accidentées. Les vignes sont dans des vallées extrêmement accidentées. Il y a à la fois des cépages du Languedoc, et puis du Cavernet et du Merlot. Là, c'est particulier, il y a 5, et c'est d'une finesse extrême, voilà. Mais c'est du 25 hectares, oui. Là. Oui, c'est ça doit être très concentré. Ouais, il y a 3 grappes par pied de vigne, à peu près. Je sais. Parce que oui, c'est des plantes extraordinaires, difficiles à gérer. C'est le vin que j'aime bien, qui m'a le plus étonné dans ma vie. Voilà. D'accord. C'était quel millésime C'était 2006. 2006, ouais. D'accord. Moi, j'aime les vins jeunes, alors. Ouais. Vous aimez aussi les vins sur la jeunesse. Ah oui, principalement. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai que moi aussi j'ai plus l'habitude de goûter les jeunes que les vieux. Et les vieux, à chaque fois, je suis obligé de me remettre parce que j'ai pas vraiment. Enfin, c'est vrai que bon, j'ai plutôt l'habitude de goûter les vins qui sont en fabrication plutôt que. Ouais. Fabrication, voire moi, jeune. Ça fait 50 ans que j'en bois, donc j'ai bu des anciens millésimes, même à l'époque des anciens, il y a une quarantaine d'années. Mais je reste moi sur des vins, j'aime les vins jeunes, des 2006, 2007, même 2008. J'aime ça par là. Grâce à la fraîcheur, grâce à ce côté fruité, rond, agréable, avec de l'élégance, voilà, j'aime ça. D'accord. Et ça, on trouve ça dans des vins jeunes, mais par contre, il y a 30 ans, on ne trouvait pas ça dans des vins qui ont 5 ans, 6 ans. Et la vinification a évolué, la gestion de la vigne a évolué, voilà.
place. D'accord. Et les projets alors pour la suite, j'imagine que vous avez encore des projets des, Dans le vignoble, oui, parce que j'étais, je suis resté pendant un certain nombre d'années en Italie, ouais. En Toscane. J'ai pas tellement été content du choix que j'avais fait dans la vie. D'accord. Donc je l'ai revendu. Et maintenant, mon souhait, c'était de revenir, mais en basse Toscane, c'est-à-dire dans la région de Maremma, d'accord. Sud de Bolgheri, parce qu'il y a des vignes magnifiques là aussi, ouais, on peut faire des vins absolument extraordinaires, mais enfin, et on ne peut pas tout faire, 37 vignobles, il faut acheter des vignobles, c'est une chose, avoir des responsables de qualité, c'est un vignoble... Ouais. Quand vous avez raté l'assemblage en vignoble, vous ne pouvez pas la refaire. Quand vous avez raté la bonne date de vendange, c'est pareil. Quand vous avez raté les vendanges en verre, trop fort, c'est pareil. Quand vous avez raté la taille, c'est rare quand on recolle les morceaux. C'est un métier où il faut de l'excellence à tous les niveaux. Voilà. Et par rapport à tous vos vignobles, est-ce qu'on retrouve une touche ou un... Non, on ne peut pas dire qu'on retrouve une touche dans la mesure où c'est le terroir qui fait... C'est le terroir, effectivement. Le terroir, c'est le génie d'un vin. D'accord. Donc, par définition, le même encépagement sur des terroirs qui obligatoirement sont différents donne des vins différents. Enfin, il y a une grande ligne, c'est cette rondeur en bouche. Voilà, c'est ça. Parce que j'aime ça, les gens... Vous aimez quand c'est flatteur Oui, quand c'est agréable, quand c'est jeune et rond et élégant, voilà. D'accord. Et pas trop structuré. D'accord. On est aussi sur des vins de garde aussi. Enfin, vous parlez quand même dire que vous aimez les vins sur la jeunesse, sur le flatteur, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une belle structure. Bien sûr que je ne dis pas non sur des vins d'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Mais mon goût se porte à ça, mais c'est pas parce que mon goût se porte à ça qu'il est bon. Hein. C'est mon goût personnel, point. Ça n'engage que vous. Ça n'engage absolument que moi. D'accord. Bon, merci alors. Hein.